Yo! Alors, qu'est-ce que toi tu veux avoir pour le style? Tu veux prendre un petit pistolet en Lego comme ça, pipi pipi, ou et te prendre pour le boss? Non, pas comme ça. Ça, c'est mieux. Sois un super-héros. Fais comme t'as envie. Comment avoir le style? Et ben voilà, tu peux devenir un super-héros comme... voilà. Vous avez compris déjà, je crois que vous connaissez. Capitaine américain. Si toi, tu commences à collectionner BB-8, là, le logo, là, non, prends ça. C'est une carte légendaire. Tout le monde va t'écouter. T'as compris? Eh, ne prends pas un crayon de bébé comme ça, là. Un crayon Stabilo, là. Marque Stabilo. Yo, tu vas prendre ça comme la tronçonneuse. J'arrive. Alors dans 3 secondes, vous allez voir, ça sera la mort totale. Vous comprenez? Regardez, vous verrez. Comment avoir le style? Comment le style? Comment avoir le style? Non, pas comme ça. Vous voulez avoir ça? Non, ça c'est grave nul, hein. Ouais, c'est juste pour couper du jambon. Et avec ça, tu peux tuer une dinde. Et bah tu comprends comment avoir le style. Et bah voilà, c'est comme ça pour avoir le style. Pour avoir le style... Tu vas prendre un pistolet en papier comme ça. Mais si tu prends ça, si je prends cette carabine, c'est une fausse, regardez. T'as vu, elle marche pas. Et ça, c'est vous qui l'avez créé. Là, le mec va te écouter, va dire yo. Bien joué d'avoir construit ça. T'es grave fort. Et ben voilà, ils vont te faire comme ça. Ok? Ne collectionne pas des cartes mignons comme ça. C'est nul. Vaut mieux collectionner des figurines comme ça, ouais. Et quand un pote va venir chez toi, il va dire « Oh my god, c'est trop beau. C'est trop beau, tu peux me passer ?» Et là, tu le dis « Dans tes rêves !» Ok ? Eh, si tu as d'avoir un badge, tu vas pas te faire un badge comme ça quand même. Un badge qui s'accroche comme ça, hein. Et tu vas le dessiner dessus, hein. Non, tu vas pas prendre ça. Tu vas prendre un vrai badge qui a été cousu. Et derrière, il doit avoir le truc. Ok? Qui a été cousu? Panne vide. Dis-moi que toi, tu vas pas lire des bouquins comme ça. Personne va t'écouter. Les légendaires. La bibliothèque verte. La pierre des dieux. Ouais, ouais, ouais. Là, ça te fait calme. Mais si tu lis Napoléon, Napoléon Bonaparte, le livre. Vous comprenez, les mecs? Ça veut dire quoi, le respect? Ils vont te respecter. Et cette vidéo, ça parle du respect. Y'en a marre, je pars.